Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons faire le logo Instagram. Donc bien sûr, je suis parti d'un modèle, voilà, qui est ici. Et j'ai réalisé assez rapidement ce petit logo. Donc nous avons ici un petit icône pour créer un nouveau document. On clique dessus. Je vais aller dans Fichier, importer mon modèle. Hop, donc pas en SVG, mais en JPEG, voilà, je l'incorpore. Tac. Sur le calque ici, je vais alors l'appeler modèle. Modèle, je valide. Je clique sur le petit cadenas. Alors, si vous n'avez pas ici la palette des calques, bah, pour l'afficher, il faut aller dans calque, palette des calques, tout simplement. Je vais maintenant créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Je valide. Je vais laisser le calque modèle à 100%. Je vais tout de suite maintenant sélectionner l'outil créer des rectangles. Voilà. Et je vais en fait réaliser ici le premier objet qui est un cercle. Alors je vais utiliser. Voilà, c'est là. Tac. Je vais utiliser ici ce petit rond. Donc je vais cliquer dessus et le descendre. Et je vais également appuyer sur CTRL. De façon, vous voyez, à maintenant obtenir un joli cercle. Donc je vais le placer donc sans remplissage avec un contour en blanc. Donc pour avoir un contour en blanc, j'appuie sur Shift et sur le blanc ici. Je vais augmenter son épaisseur. Donc je vais soit je clique ici, vous voyez en bas il y a un 0,5, je clique dessus et je passe l'épaisseur à 10. Ou alors je vais ici dans la palette remplissage, je clique là-dessus. Remplissage et contour, je clique sur pop, 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 contour et je mets ici donc un fond de couleur. Voilà, je choisis la couleur. Voilà, je vais mettre en noir. Voilà, de façon à vraiment bien positionner, c'est plus visible. Alors je positionne ça comme ceci. J'appuie sur CTRL et sur SHIFT de façon à redimensionner mon cercle par rapport au centre et de façon homothétique. Voilà. Et je vais maintenant augmenter l'épaisseur, donc je vais mettre 24. Alors c'est pas assez, je vais mettre à 26, de façon à ce qu'on voie plus de les petits traits derrière. Hein. Alors on va aller jusqu'à 28. On vérifie bien que c'est un cercle parfait. Donc là on s'aperçoit que c'est pas un cercle parfait. Donc je vais mettre 155, 155, voilà. Hop. Voilà, là c'est bien placé. Je vais même aller jusqu'à, allez, 30. Ouais, là je suis sûr que tout est masqué. Donc je vais dupliquer mon objet, CTRL D, ou je peux cliquer ici sur ce petit icône, ou aller dans Éditer, Dupliquer. Tac. Je vais sélectionner ici cette petite flèche de redimensionnement, cliquer dessus en appuyant sur CTRL et SHIFT. Hop. Je relâche tout ça. J'appuie sur l'outil Éditer les nœuds ici, ou F2, et je vais sélectionner le petit rond qui est là. Et je vais appuyer sur CTRL et SHIFT. Vous voyez, ce qui me permet d'obtenir l'arrondi que je souhaite. Et je vais réduire un petit peu la taille de cet objet. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais jouer encore un peu sur l'arrondi pour être sûr d'avoir le bon. Il me semble que là, on est bon. Voilà. Donc je duplique encore cet objet. Je vais l'agrandir. Hop. Je relâche tout ça. Donc là, je vais vraiment réduire la taille du contour. Je vais mettre à 2. Ouais, c'est bon, là, on est bien. J'agrandis un peu. Allez, je le passe à 1. À 0,5. De façon à avoir vraiment un contour très fin. Je réduis un petit peu. Oh non, c'était bien. Je vais maintenant jouer avec ici ce petit rond-là. J'appuie sur CTRL et SHIFT, bien sûr, de façon à ce que celui-là bouge de la même façon. Ouais, c'est bon là. Là, on est bien. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Voilà. Une dernière chose, je vais faire le petit cercle ici. Donc, je me mets au milieu. J'appuie sur CTRL et sur SHIFT. De façon à ce que le cercle soit créé par rapport au centre. Et de façon vraiment. Enfin, à obtenir un cercle parfait. Voilà. Hop. Voilà. Donc là. On a réalisé la base. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les petites couleurs. Alors, c'est pas trop compliqué.
Moi, j'aime bien utiliser ici des petits carrés de couleurs. Donc, je crée un petit carré. Et je vais ici, avec la pipette, récupérer la couleur. Alors, je vais un peu vite. Pour créer le petit carré, je clique ici sur Créer des rectangles et des carrés en appuyant sur CTRL. Et pour récupérer la couleur, je clique ici ou j'appuie sur F7. Hop. Et je récupère ainsi la couleur. Maintenant, j'ai qu'à dupliquer ce petit carré. Dupliquer, tac, CTRL-D. Je vais récupérer une couleur ici. Ouais, c'est bien. Je duplique. Je vais maintenant aller taper dans cette couleur-là. Je duplique une couleur ici. Je duplique encore pour avoir le bleu, en fait, qui va être vraiment la couleur de fond. Tac. Alors, dans un premier temps, je vais réaliser. Alors, moi, je pense que là, ils ont fait un cercle. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil cercle. Voilà, que je vais mettre comme ceci. Je vais supprimer le contour. Je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà. Donc, je vais mettre du jaune. Je vais aller dans la palette remplissage et contour. Ici, dans fond, je vais mettre donc un dégradé radial, pardon. Alors, automatiquement, en cliquant dessus, ben, j'ai un dégradé ici du jaune vert, le jaune transparent. Je sélectionne donc l'outil dégradé. Alors, je peux cliquer là-dessus ou il y a un raccourci, donc CTRL F1 ou G aussi, ça fonctionne. J'appuie sur G. Et je vais pouvoir ajouter ici deux petits taquets de couleurs. Alors là, je vais lui appliquer la même couleur qu'ici. Donc F7, je récupère cette couleur-là. Là, ça va être l'orange. Tac. Et ici aussi, l'orange. Je vais enlever le contour noir dont je n'ai pas besoin. Donc là, c'est pas définitif, hein, ça fait un petit peu moche, mais l'avantage d'Inkscape, ce qui fait vraiment sa puissance, je trouve, c'est le flou vectoriel ici, que je vais placer, je vais mettre à 5. Ça marche pas, peut-être à 10, voilà. Allez, on va aller jusqu'à 15. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc je vais dupliquer cet objet, tac. Je vais supprimer le flou ici. Je vais lui mettre donc la couleur violette. Donc toujours un dégradé radial. Deux petits taquets aussi. Ça permet d'avoir plus de contrôle. Donc je me mets ici, je copie. Donc je récupère la couleur qui est là. Et je vais la coller sur le petit losange ici en faisant CTRL V. Maintenant je mets sur ce petit cercle et je vais mettre cette couleur violette. Donc pareil, hein. Donc là il est sélectionné. Si je fais CTRL C et je me mets sur le petit losange là et je fais CTRL V, vous voyez, hop, la couleur s'applique. Je vais utiliser le même filtre que pour celui-là, c'est-à-dire le même flou. Donc bah, j'ai qu'à sélectionner mon objet et cliquer là-dessus. Et hop, j'ai le même flou. Donc je vais le déplacer à l'arrière-plan. Je vais l'agrandir un peu, comme ceci. Vous voyez, là on a pratiquement fini. Hein. Je sélectionne donc cette forme-là, je lui mets une petite couleur bleue. Hop, et je place tout ça à l'arrière. Alors je vais déplacer cet objet pour le comparer donc avec mon objet modèle, de façon vraiment à affiner tout ça. Donc là, ben, le flou, il faut le grandir un peu. Hop. Voilà, peut-être encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Peut-être un peu trop grand finalement. Je vais le réduire un poil. Alors si votre ordinateur a des difficultés, c'est lié au flou, hein, bien sûr. Alors vous pouvez travailler un petit peu plus loin. Les calculs sont plus rapides. Allez, on va dire que c'est bon. J'aurais peut-être. Allez, c'est bon. Donc je sélectionne les deux cercles avec le flou, je les groupe, donc CTRL G, ou je peux aller ici cliquer, tac. Je les place à l'arrière-plan et je les monte d'un cran. Je sélectionne maintenant ici donc l'objet qui est comment dirais-je, qui est en fond. Je le groupe. Je vais en faire un clone. Ce clone va me permettre de créer une découpe. Donc je sélectionne mon clone. J'appuie sur Shift, je sélectionne donc les deux objets avec le flou, je fais un clic droit et je fais découpe. Ou alors j'aurais pu aller dans Objet,
découpe, définir. Hop, découpe. Donc mon objet est créé. J'ai plus maintenant qu'à sélectionner ces objets et de mettre le contour en blanc. Le petit cercle, je vais lui mettre un fond blanc. Je n'oublie pas de supprimer son contour. Il me semble que j'ai un petit contour noir ici. Voilà, je le supprime. Et vous voyez, on va grouper tout ça de façon à avoir un seul objet. Et voilà, mon objet est fait. Donc l'avantage, hein, bien sûr, du vectoriel, c'est que maintenant, bah, si je crée un clone et que je l'agrandis, hop, eh bien, il reste impeccable. Vous voyez, pas de souci. Bon, par contre, ça fait un petit peu ramer la machine. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.